Bienvenue sur ma page YouTube. Moi, c'est Abdul Hamdi Samassi. Je suis promoteur dans le domaine de l'agriculture. Aussi qualifié en IACP, Industrie Agroalimentaire et Chimique, Option Production. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment se comporter chaque matin. Je me suis levé ce matin. Bon, j'avais fait déjà des vérifications. Déjà dès 6h30. À 6h10, c'était déjà supplé. J'ai fini de vérifier déjà toutes les barres. Donc, je me lève le matin. Je viens, je vérifie les abreuvoirs. Si l'eau pavillon aux abreuvoirs. Et aussi, je vérifie les mangeoires. Si l'aliment y est également. Ici, nous pouvons observer que les poulets sont en train de s'alimenter et d'autres ici sont en train de s'abreuver. Ok, nous pouvons avancer plus loin. Ici, on remarque qu'il y a plusieurs mangeoires et plusieurs abreuvoirs automatiques. Pour ceux qui ne connaissent pas les abreuvoirs automatiques, les abreuvoirs automatiques sont celles qui sont en rouge et les mangeoires sont ceux qui sont en métallique, de couleur métallique. Dans celle-ci, nous pouvons observer les aliments. Ça, c'est l'aliment des pondeuses qui a été mis en bas de l'épuisier. C'est à quel moment mis l'aliment hier? Voilà, depuis 15h, l'aliment a été mis en bas de. Bon, nous pouvons avancer encore un peu plus loin. Bon, nous pouvons remarquer là-bas. Voilà. Ces deux bâtiments, ces poulets ont le même âge. Sauf que comme ici, était un peu coincé. Voilà, pour éviter les cas de maladie, donc. Nous avons été obligés de prendre une petite bande ici et compléter dans l'autre bâtiment que j'ai monté là. Mets la caméra, l'autre côté, que j'ai monté de l'autre côté. On va avancer un peu plus loin. Donc ici, nous sommes arrivés ici. Si vous avez bien remarqué, ici encore, ils ont le même âge. Ils sont les poulet qu'on deux mois quelques jours et quelques. Bon, je vais présenter ces trois compartiments de poulettes dans une vidéo très spéciale où je vais très bien expliquer les stades avancés. Là nous pouvons remarquer une barrique de 3000 litres. Nous pouvons remarquer une barrique. Voilà, peu importe le nombre de litres. Ah, moi, c'est combien de litres déjà hein? Voilà, nous pouvons remarquer une barrique de 1000 litres. Voilà, ce n'est pas 3000 litres, une barrique de 1000 litres. On voit que nous allons installer ça à la ferme. Ça, c'est l'endroit où nous allons poser là-dessus. Ça va servir à alimenter toute la ferme lorsqu'il s'agira de donner de l'eau simple, sans médicaments ou un traitement global de toute la ferme. Donc maintenant, cette barrique sera alimentée à l'aide du puits que voici. Voilà, ce puits dans lequel se trouve un moteur, une pompe submersible de puits qui va aspirer l'eau en 25 minutes pour remplir la barrique. Donc nous allons arriver dans ce compartiment et essayer de trier un peu ici. L'eau parvient normalement aux abreuvoirs. Bien avant tout, voici la barrique. Voici la barrique. Je n'ai pas dit les barriques. Tu appelles aux États-Unis? Ouais. Depuis Washington. Et vous mettre un... il est déjà parti. Donc, on va venir un peu... Je vais ici.
aussi nos propriétés Amadou. Bonjour monsieur. On fait quoi ce matin? Bon, j'ai l'eau. Pour remplir cette barrique. Ok. Mais pourquoi vous n'utilisez pas la pompe? Bon, parce que comme je n'ai pas mis la main d'abord, c'est pourquoi on attend, on va se présenter. Non, mais je vois un robinet là-bas. Ça, c'est motopompe. Ah, ok, va pas de problème. Ok, merci bien. Donc, ici, je vais vous laisser. À mon petit frère, lui qui tient la caméra actuellement, pour vous présenter ce bâtiment. Voilà. Même s'il va se débrouiller, puisque c'est un gamin. Bonjour, madame et messieurs. Vous voulez? Non, ok, encore il s'est rentré. C'est des mangeurs. Ils viennent s'alimenter. Et ici, c'est les gamins. Bon, oui, monsieur Samassi. C'est monsieur Samassi, non? Oui. Ok. Normalement, lorsqu'on se lève matin dans une ferme, quels sont les paramètres qu'on doit regarder? La première des choses, venir voir d'abord si les poulets se tiennent bien. Oui, oui. Et la deuxième des choses, vérifier les abreuvoirs s'il y a de l'eau. Troisième des choses, vérifier les mangeoires. Et la quatrième, enfin, c'est de commencer à ramasser les déchets. Par exemple, souvent quand les poulets dorment, ils touchent les abreuvoirs, l'eau verse, comme ça. La quatrième, c'est de ramasser ça. Sinon, ça peut provoquer des maladies respiratoires. Et qui peuvent faire dépasser plus. Allez, un peu fort. Ça peut provoquer des maladies respiratoires qui peuvent faire dépasser plus. Donc, la quatrième des choses, c'est de ramasser ça. Comme ils savent apprendre, donc il n'a pas laissé comme des choses. La carte des choses, ça suffit. Ok. Bon. Ok. On voit qu'il s'est débrouillé. Bah, il s'est débrouillé, même si le français n'est pas tout ça. Mais ce n'est qu'un enfant. Bon. N'oubliez pas de vous abonner à cette page YouTube. Pour ne pas rater de nouvelles vidéos instructives. Et comme je l'avais dit, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter ces trois bâtiments que j'ai montés. Merci, ciao et à bientôt.